je suis habitante de Bresson. Je participe actuellement à un atelier qui est demandé par la métro, qui a fait appel à un panel de citoyens. On m'a expliqué que c'était un tirage au sort. Et comme je suis pour le tirage au sort, alors je suis venu. Donc on a passé un premier samedi où on a travaillé sur la présentation de la métro, la visite du forum. Pour pouvoir travailler sur l'accueil du public dans la zone, dans le nouvel établissement qui a été prévu pour la métro. Alors pour moi, ça m'a apporté beaucoup de connaissances parce que pour remplir mon document pour ce matin, j'ai recherché des infos. Donc c'est là que j'ai appris ce que voulait dire le cycle de la métro. J'ai appris qu'il y avait 49 communes et maintenant je sais où trouver les infos. Pour la présentation, j'ai travaillé beaucoup sur l'ergonomie, la réception du public, les ERP, l'ergonomie au poste de travail, et aussi bien personnel que personne de l'accueil. Je suis très contente de participer à cet atelier. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites sans que les habitants aient été consultés. Et je trouve que justement, là, c'est un gros progrès. Et je trouve très bien que la métro nous demande aux gens de participer et de donner leur avis. Reste à voir la prise en compte. J'ai un peu un doute sur la continuité, savoir si on va être écouté ou pas, puisque sur des projets comme ça, forcément, il y a une projection par rapport à la présidence, je pense, par rapport à tout ce qui suit derrière la hiérarchie, le personnel. Et c'est pas vraiment ce qu'on peut dire, nous, qui va rentrer en premier lieu. Donc ça va peut-être être en complément, et encore que j'attends la suite.